Hey, salut à tous, c'est Adran, et aujourd'hui... BAM! Et BAM! On se retrouve dans le paradis, dans l'Éden, en compagnie de Azrael, et on va voir ce qui va se passer. Il n'y a pas de chemin. Il y en a un, pour ceux qui en sont dignes, ou ceux qui peuvent voler. Cavalier, tu as si longtemps combattu les ténèbres qu'elles t'ont marqué. Les créatures de la lumière le sentiront, tout comme moi. Pour ainsi dire, tu es pire qu'un démon. Surmonte les ombres, ensuite tu passeras. Es-tu prêt à te faire face dans la lumière ? Certains ne sont pas préparés à le voir. Le masque des ombres. Oui. Tu liras dans le royaume des ombres tant que tu porteras ce masque. Bonne chance. Mesurez-vous à vous-même, cavalier. Oh là là ! Version... Temple de l'eau dans Zelda Ocarina of Time, on affronte notre double maléfique. Grosse référence. On verra à guerre une vue d'ombre. Oh putain. Ouh. Yeah, à moi. Le premier don des cieux t'attend. Je reste ici, avec le guetteur. Je ne quitte pas le cavalier des cieux. Où il ira, j'irai. Très bien. Alors vas-y, dirige-toi vers l'arbre. Tu n'atteindras jamais l'autre côté. Fais vite. Et n'oublie surtout pas. Mais quel enculé. Ah ouais merde, faut peut-être que je mette le masque. Attendez. Vous savez quoi? C'est pour qu'il y ait une surprise par ici. Oui, vous l'avez deviné. Vous l'avez deviné, vous ne le faites pas. Boom. L'armure abyssale.
Il a la méga classe. Dommage que l'épée n'ait pas de couleur avec. C'est dommage qu'on ne voie. Ah ouais merde, normal, il porte le vêtement. Ah merde, oh c'est dommage, on peut plus voir sa gueule. J'aime bien sa gueule moi. Excusez-moi. Je retousse un peu. Donc je suis un armuré abyssal, n'est-ce pas? I'm a gold like. C'est dommage qu'il parle moins ça. J'ai l'impression. Ah non, c'est bon, il parle. Et c'est dommage qu'il ait le masque sur sa gueule maintenant. Excusez-moi, je sais pas si j'ai eu le temps de couper le micro au moment où j'ai éternué ou s'il avait un peu entendu. Waouh. Here we go. Plutôt servir dans les cieux ou régner dans les enfers? Un orage se prépare, Uriel. Et bientôt, j'aurai besoin de toi à mes côtés. Je vous suivrai dans les enfers, maître. Il savait. Mais comment? Les plans les mieux conçus, comme avaient l'habitude de dire les humains. Alors, c'était vous? C'est toi qui as comploté pour nous appeler dans ce monde. J'ai simplement pris l'avantage sur ton initiative. Non. Je considère ça comme une proposition, Abaddon. Et toi, mon loyal serviteur, rejoins-moi, et tu deviendras ainsi le destructeur. Non. Quand le trône aura appris ce que tu as fait, tu seras alors chassé, traîné comme un malpropre devant le conseil. Tu es déjà condamné. Alors je t'offre ce choix. Plutôt servir dans les cieux, ou régner dans les enfers. À présent, rejoins donc Azrael. Persuade-le de nous aider. Ensuite, ensemble, nous changerons à jamais l'univers. Abaddon doit être puni. Il ne respecte aucunement la loi. Il se moque ouvertement du conseil. Quelle preuve? Possédons-nous. Les sceaux sont intacts. Il est sûr que l'ange a été aidé. Mais par qui? En attendant, nous devons attendre. Son mépris ne mérite absolument aucun répit. Le conseil faiblit. Combien de temps reste-t-il avant notre fin? Nous ne pouvons pas arrêter Abaddon. Mais d'autres, en revanche, le peuvent. Il suffirait d'un motif. Nous ne pouvons envoyer les quatre. Sans preuve, pas de justice. Seulement des crimes. Il n'y aurait aucun motif pour cet assassinat. Nous en enverrons un pour qui la vengeance est un motif suffisant. La lame est dissoute. Je garde le septième sceau. Ce monde est à nous. Les cieux sont à nous. Tu savais qu'il s'agissait d'un aller simple. Ok.
Donc, tout ça n'était qu'un vaste complot. Vraiment des enculés au conseil. Hein. Ah, tu comprends. On peut pas envoyer les quatre. Donc on envoie un et on le bute. Comme ça, c'est plus les quatre cavaliers, c'est les trois. Alors, Abaddon est le destructeur. Hein, quoi, l'archange? Il a été trahi. Ce n'est qu'un pion dans un plus vaste complot. Tu dois lui apporter la paix. La paix? Abaddon est le destructeur. Il me semble que la paix n'est plus de mise. Qu'as-tu découvert dans les visions? Un moyen de l'arrêter? Il y avait cette épée, celle qui a brisé les sceaux, la lame d'Armageddon. Mais... une fois les sceaux brisés, Abaddon a ordonné sa destruction sur l'enclume où elle avait été créée. Cavalier, je crains que la lame ne soit définitivement perdue. Elle sera forgée à nouveau. As-tu vu autre chose? Abaddon garde le septième sceau. Il complote pour prendre d'assaut les portes blanches. Uriel va mener les gardiens des enfers contre lui. Et échoué. As-tu vu autre chose? Je n'ai rien vu d'autre. Je vais nous ouvrir un passage. Une fois qu'il sera fermé, le jardin et ses secrets seront perdus à jamais. Quand tu es prêt, dis-le-moi. Rappelle-toi que nous menons les rênes, cavalier. Suis-moi! T'as vraiment qu'un enculé, toi. Oh la vache! Bon, mais une espèce d'antre du serpent. Là, il va disparaître. Voilà. Et voilà. Trouve Ultan, il t'aidera. Il doit t'aider. Abaddon aura éparpillé les restes de l'épée et caché là où celui qui marche dans la lumière ne pourra les trouver. Le royaume des ombres. Oui, porte le masque des ombres. Retrouve les morceaux de la lame brisée. Ensuite, retourne à la forge du marteau noir. Quand tout est fini, reviens me voir. Je te serai peut-être utile une dernière fois avant la fin. Azrael, vous auriez pu me laisser livrer à mon propre sort. Mort dans la tour, perdu parmi les cendres de l'Éden. Pourquoi m'aidez-vous à présent? Quand tout sera fini, le conseil verra que justice a été faite. Je tuerai Abaddon. Et tous ceux qui ont comploté avec lui. Nous devons tous répondre de nos péchés, cavalier. Quand l'heure de mon jugement aura sonné, je l'embrasserai. Ainsi la lumière décidera. Allez, ne perds pas de temps avec moi. Et dis à Ultan qu'il est le dernier espoir d'un vieux fou. La lame a été utilisée dans ce monde en ruine. Oh. On trouve les 7 fragments de la lame Armageddon. Fragment d'alarme Armageddon. On a combien de minutes de vidéo? 15. Ok.
Ok. Il a affiché la chronique. Ok. C'était donc ça, ce truc. Vous savez, je me souviens, moi je l'avais croisé, je me dis, ouais, qu'est-ce que c'était? Ben, c'était ça. Donc, regardons la map. Là, je suis tout en haut, faudrait que j'aille à gauche. Ok. Bon. Ben, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti, hein. Local, est-ce que sur la locale j'ai Oh, je sais pas, on verra. On va se diriger vers l'autre là. Donc, je suppose qu'ils n'ont pas été trop vicieux, que genre chaque emplacement est et à côté de. Et pas trop loin de l'entre des serpents de Vulgrim, quoi. Ou alors c'est des enfoirés, mais. Tac tac tac. 12 500, il faut. En plus, j'ai des dégâts, effectivement, quand j'ai des dégâts sur le temps. L'ultime bataille est proche, machin. Ok. Direction le pays des cendres. On va récupérer un des fragments. Il a quand même la méga classe. C'est dommage qu'on voyait plus sa tête. Parce que moi je l'aimais bien sa tête. Mais il y a quand même une certaine classe. C'est dommage aussi que dans les cinématiques. Et on le voit, il y a une armure normale et pas une armure abyssale. Bon, tant pis, c'est des détails à la limite, mais. C'est dommage, c'est dommage. En tout cas, on s'approche de la fin du jeu, les gens. On s'approche de la fin du jeu. Donc, il y a un morceau de la lame. Est-ce que je peux le voir par comme ça par hasard? Ils auraient pu foutre un sprint aussi, vous savez, genre quand vous courez depuis un moment, la Devil May Cry. Oh tiens, j'ai jamais. Nickel. Et attendez, j'ai découvert un truc que je n'avais pas vu. Ah. Un fragment de vie. Tac. Et peut-être que sur le chemin, j'en trouverai plus un. Hein. Avec un peu de chance. J'ai pas l'air de me diriger dans la bonne direction. Quoique si. Ah bah oui, mais oui, bien sûr. Bah non. Par là-haut. Ou par en bas. Hop là. Attendez juste 2 secondes. Je me guide un peu à l'aveugle, je réponds à un message. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Merde. Voilà. Boulet. Wait, you. Voilà, à vouloir répondre à un message, je finis dans un trou. Bah oui. Un trou. On continue donc. Ouais, là je me souviens, faut que je passe comme ça. Hop, 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 hop. Hop. Nickel. Alors attendez, est-ce que je peux voir le fragment? Non, je suis toujours pas quitté cette zone. Il doit être dans la zone juste après alors. Enfin, je sais même pas si on peut le voir sur la minimap en tout cas, mais bon, il suffit que je me balade et je le trouverai de toute façon.
En tout cas, je sais que l'autre va me trahir. En même temps, fallait s'y attendre. Le mec, c'est un enculé depuis le début, tu sais quoi. Enfin, un enculé, excusez-moi. C'est... Oh, je peux le voir sur la minimap? Ouais, je peux le voir sur la minimap. Bah, c'est nickel, ça va me faciliter la tâche. Mais depuis le début, c'est un enfoiré, donc je vois pas pourquoi il le serait moins vers la fin, quoi. Ce n'est pas un piège, cavalier. Je suis seul. Moi, Uriel des Gardiens des Enfers, championne de la Cité Blanche, te lance, cavalier, un ex-sacramentum. Imbécile. Je revendique un droit sur ta vie devant le Créateur. Feras-tu fi de cette loi aussi? Pourquoi? Abaddon disait que tu connaissais l'honneur. Et parce que c'était le meilleur de nous tous. Le serment à la mort ne peut être rompu, jusqu'à ce que l'un tombe de la main de l'autre. J'accepte. Ok, Dieu la mort. I'm invincible now, do you understand? Tu ne me fais aucun dégât. Wow, 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 wow. Ça m'a appelé une attaque dans Tales of Symphonia, vous savez l'attaque de Colette là, Judgment. Ouh, ce que j'ai mis. Judgment. Allez là, tu le sens, la pouvoir de ma forme démoniaque. Ok. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de Tales of, je sais que je devais reprendre, mais j'ai quelques soucis de capture que je vous expliquerai vendredi dans la vidéo news. C'est moi qui décide quand l'ange meurt, pas toi. Tu m'as fait un serment. Abaddon est le destructeur. Menteur! Pour te protéger, il t'a caché la vérité. Tu as promis de suivre ton maître dans les enfers, sans savoir ce qui t'attendait, ou ce qu'il deviendrait. Abaddon! Il a été trahi, et il est devenu l'ennemi de toute la création. J'ai trouvé l'arbre. Son don, c'était la vérité. Et je la partage avec toi. N'oublie pas le serment à la mort. Bientôt, il se réalisera. Ouh, la petite, on l'a fait se réveiller un peu là. Oh, je me souviens aussi, j'avais dit qu'est-ce que c'était que ça? Mais c'était ni plus ni moins qu'un morceau de l'épée.
Magnifique. Je l'ai. Fragment de la lame d'Armageddon. Chargement. Donc là on va se diriger vers le pays central, c'est ça là? Si je dis pas de la merde. Attendez, je vérifie. Potence ardente, bah ouais c'est ça. C'est exactement là où je voulais aller, ça tombe bien. Puisqu'il y a un morceau, j'ai vu sur la minimap. Je vais te tuer sans concession, ma chère. Voilà. J'avais pas la flemme de faire ça en deux étapes. Un portail. Attendez. Un portail. Non, c'est start. Pardon. Le couloir du néon, on va le mettre là. Ouais, quoique le grappin, c'est plus situationnel quand même, donc j'ai... Je prends la lame boomerang là, voilà. Je tape plus fort que toi maintenant. Black. Oups. Ah mais parfait, ça me permet de le révoquer, de l'invoquer en version surpuissante. Yeah. Hop. Ni vu ni connu. C'est bien que ça me permette de revisiter des trucs comme ça, ça permet de retrouver des secrets que j'aurais manqué quand je suis repassé chercher les morceaux des morceaux d'armure. Vite. Nickel. Bénédiction de mort. Vibrant d'une énergie obscure, ce soit impie porte la marque du frère de guerre mort. Ça donne quoi ça? C'est une amélioration légendaire, c'est ça? Yes. Convertis des gains vigilance santé. Oh là là, et je la voulais en plus. Vous vous souvenez, moi je vous l'ai dit dans une vidéo que je voulais la salle de mort. Et ben voilà, je l'ai. Putain, du coup j'ai un look très violet avec mon armure, mon arme. Attendez, je vérifie que c'est bien celle que je... Putain, chaque fois je me confonds vraiment. Ça m'énerve. Convertis dégâts, augmente les dégâts des armes, augmente le nombre d'âmes obtenues, rapporte des âmes supplémentaires si assigné à la faux.
Oui, mais je veux bien que ton arme soit la faux, mort, mais. En ce moment, quand même plus d'utilité de mon épée. Salut! Aïe! J'ai dit salut! La 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 la. Putain, c'est OP! Regardez ma vie qui remonte! J'adore! J'ai du sang vampirisme! Enfin, j'ai des. Du genre vampirique! Je vais retrouver le nom. Du drain de vie. Putain, il n'y en a pas un. Je suis désolé d'avoir vu un. Putain, est-ce qu'il y en a un par là? Non. Mais merde, il me semblait qu'il y en avait un ici. Enfin, je l'avais vu sur la map. Hop. Hey. Non, c'est sûr qu'il y en a pas. What the fuck? J'aurais juré. Bon, du coup, on va utiliser le. Le truc de téléportation. Merci Bulgrim, t'as mis ton temps quand même. T'as eu un genre peinard. Ouh, il y en a un ici par contre, à la passe submergée. Il y en a un au tout début aussi. C'est bien ces conneries quand même. Hein. Qu'est-ce que je ferais pas sans cette Warzone? Bon, même si c'est chiant de l'avoir en chaîne, mais c'est quand même une chouette Warzone. Ah, j'aime bien la musique. Ça fait très Diablo. Ah ouais, c'est un truc en hauteur. Je me suis niqué. Oh, c'est pas grave, il y a... Ah bah oui, je me souviens aussi de cet endroit où je disais what the fuck. Dans un des premiers épisodes, je disais ah tu sais, c'est bizarre, il y a un truc caché là. Finalement, je le saurai. Parce que ce n'est ni plus moins qu'une des parties de la lame d'Armageddon. Hop. Merde. Question qui tue, j'y vais comment? Tu vois, à la nage, d'accord. Eh ben, qu'est-ce que t'as, guerre? Voilà. Je crois que t'avais des soucis pour monter une putain de marche, là. Putain. Une marche. Fuck. Bon, attendez, faut que je trouve un moyen de monter. Tiens, je crois que je sais ce que je dois faire. Je crois que j'ai vu. Non. Là-bas, merde. Je me trompais de côté.
Allez, go. À la nage. Des petites merdes. Costaud les petits trucs quand même. C'est quoi, tu me tapes mais je régène. Tellement rien à foutre. Oh, encore un sur ma route. La 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 la. Donc il me faut... Oh, je vais y arriver. Je vais y arriver. Un jour. Alors, j'ai presque tout. Oh, c'est pas mal. Je les ai pas tous, mais c'est déjà pas mal. J'aime bien comme c'est expéditif de genre de situation. Yeeha, taratantantant. Hop, un fragment de plus. J'ai presque réussi à gratter une pierre de vie avant de finir. Ah, mais j'arrive pas à croire que je bloque là. Non, ça m'étonnerait qu'il y ait un truc en dessous, mais... Non, il n'y a aucun moyen de passer en dessous. C'est tout à fait logique, vu qu'on montait. Bordel. Là c'est frustrant par contre. Hein. C'est frustrant. Merci. Ça je les bute. Voilà. Bam, toi t'es toi.
Mais putain de merde. Attendez, deux secondes, je... Ne pas s'énerver. Il y a un truc que j'ai pas vu. Je me souviens que j'avais réussi à y accéder, je crois, en plus. Faut juste que je me souvienne comment. Bon, vous savez quoi, je vais vous laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve la prochaine fois devant l'autre connard d'artefact là. Et on continuera la quête de la recherche des artefacts tous ensemble. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis ciao les gens pour le prochain épisode de Darksiders.